Ces arbres vont protéger de la houle, vont protéger des vagues, etc. Sur les mangroves, du coup, qui ont vraiment les pieds dans l'eau de la mer, là, du coup, voilà, on va avoir vraiment une biodiversité super intéressante et très riche, notamment avec tous les petits poissons qui vont ensuite vivre en pleine mer. Et donc, du coup, cette nurserie, elle est indispensable au fonctionnement de l'ensemble des écosystèmes. Et en fait, c'est surtout comprendre le lien qu'il va y avoir entre la mangrove et le reste des écosystèmes, qu'ils soient marins ou terrestres. Un milieu ne fonctionne pas tout seul. Avoir tendance à combler les milieux humides parce que ils sont pas constructibles, donc on va les assécher, on va les combler pour pouvoir construire dessus, anthropiser, donc soit construire des usines, soit construire directement des habitations, ce qui au final se retourne contre nous. Il a été convenu de restituer à peu près une vingtaine de mètres sur toute la longueur du site, donc un peu plus de 1500 mètres carrés de mémoire, d'accord, pour lequel nous avons replanté un petit peu et la nature a fait le reste. Et on voit très bien aujourd'hui l'évolution en quelques années. On est à peu près à mi-hauteur de la mangrove naturelle, donc ça va très très vite. C'est quand même plus sympa aussi de travailler dans un cadre où il y a un peu de verdure. Mais c'est surtout vital parce que c'était une zone très inondée, très facilement, dès qu'il pleut beaucoup. Ça l'est encore un peu aujourd'hui, mais nettement moins qu'avant, grâce justement à cette zone que nous avons restituée et où l'eau peut monter sans venir inonder le reste. Sur Jari, ce qui est assez remarquable, c'est qu'on avait des endroits qui servait de lieu de stockage, de conteneurs, de carcasses de voitures, de tout un tas de choses avec des remblais. Aujourd'hui, quand on repasse dans les zones qui ont été restaurées, on a du mal à imaginer ce que c'était, puisqu'on est face à une mangrove, on est face à une forêt marécageuse, et on peut apercevoir aussi la faune qui revient, des aigrettes, des poules d'eau, des iguanes. On a vraiment une vie qui reprend en quelques années. Cet entre-là, en fait, de racines, permet aussi de freiner les vagues lorsqu'on est face à des cyclones ou des tsunamis. Alors il y aura de la casse, mais c'est un système d'amortisseur qui est très efficace et plus efficace que les digues qu'on construit sur le littoral, puisqu'une digue qui est faite d'un seul bloc, lorsque la mer va venir frapper, on aura un creusement qui va se faire année après année en pied de digue et qui finalement va la fragiliser. Alors que le palétuvier, lui, laisse passer une partie de la vague, mais en la freinant.